The President. Le Président. Please be seated. Mesdames et Messieurs, veuillez vous asseoir. Nous reprenons l'audience. The Defense Counsel may now proceed Nous with the rest of his à présent la parole oral au Conseil statement. De la Défense afin de lui permettre de poursuivre sa plaidoirie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. Je veux donc effectivement continuer sur que j'ai appelé le contexte du Kampuchea démocratique. And talk about on a parlé de la terreur, on a parlé Kampuchea. Du secret. We talked about terror, we talked about secrecy. Nous devons évidemment en parler. Oui. Comment pourrions-nous évacuer ce point talk about the following, de and how la could we question possibly de l'obéissance et de la discipline telle qu'elle ressortait une fois encore des statuts du parti. CPK's statutes. Article 2, toujours de ces statuts, Article devoir des membres du parti respecter of the la discipline en cas with the du parti discipline of Ankar, sans condition, unconditionally, sans condition unconditionally, et avec haute conscience. And with the clearest Alors conscience. Vous vous souvenez qu'on est venu souvent sur, cette, As sur you ces questions we talked about this issue at avec length, les experts ou les consultants. With experts. Vous vous souvenez ce you que David Chandler bear in mind what David a dit Chandler à cette audience, said before the court. Mais aussi ce qu'il a écrit dans son ouvrage, but also what is published à la page and written in his 171, book, on page 171, au début du deuxième paragraphe. Beginning of the second paragraph, pour les interprètes, c'est la page 17 de mon mémoire. On page 17. Il est aussi facile de juger trop sévèrement les interrogateurs, just as easy to les gardes ou les bourreaux. Judge, interrogators, security guards, s'ils désobéissaient aux ordres, far too severely, ils étaient sûrs did not de mourir. Obey to the orders, they were certain of death. C'est Chandler qui parle. These are the words of C'est Chandler. Pas Duke. C'est Chandler not the words qui parle. Of Duke. Et il ajoute, et il and ajoute, adds, and he continues. Pour nous tous, sans avoir vécu une telle expérience, without having gone through such an experience, aucun d'entre nous no one ne peut dire comment il aurait pu se comporter how he or she would have behaved s'il avait été lui-même interrogateur. If they were themselves an interrogator. Nous y reviendrons. Je veux citer aussi Craig Etchison, que j'ai interrogé sur cette Mr. question. Craig Etchison, who I had Ma question était celle-ci. Cross-examined on this matter. Puisque nous sommes sur ce My sujet, question was the following. Since we are on the topic, celui du choix et donc de l'obéissance, that is the topic of choice and obedience. Est-ce que je me trompe en disant que dans le Kampuchea démocratique, si on faisait le choix de ne pas obéir, on avait quelques problèmes qui pouvaient aller jusqu'à la mort. Réponse. One could risk death. Sans aucun Answer? Doute, maître. Absolutely. Without a doubt, counsel. Cette question de l'obéissance va évidemment avec une autre. Obedience. Mais alors, Duke, pourquoi n'avez-vous pas fui? In another question, Duke, why did you not escape? Bien sûr, les juges d'instruction ont posé cette question. Of course, the co-investigating judges had put the question to him. Bien sûr, les avocats of course ont posé cette question à Duke. Lawyers pourquoi had put a question to n'avez-vous Duke. Pas fui? That is, why did he not escape?
Sa première réponse a été une réponse de bon sens. His initial answer was one based on common sense. Il nous a dit... He stated to us... Koytoun avait plus de pouvoir que moi. Koytoun had more power than I had. Il n'a pas pu fuir. And he was unable to flee. Von Vett avait plus de pouvoir que moi. Von Vett had more power than I had. Il n'a pas pu fuir. And he was unable to escape. Et on peut citer tous les hauts responsables. And we can go on and on. Qui sont passés all of the senior leaders. Par S21. Who? Comme prisonniers. Entered the gates of S21 as prisoners. Ils n'ont pas pu fuir. They were unable to escape. On sait que certains, et non des moindres, we all know ont réussi that à désobéir. Some were able L'histoire to disobey. Est là pour dire que celui auquel History je pense et auquel nous pensons tous that était proche de la frontière vietnamienne quand il a désobéi avec 5000 hommes pour passer à l'ennemi et venir par la suite and chasser les Khmers rouges. Duc n'était pas à la frontière. And then return to fight the Khmer Rouge. Von Vett n'était pas à la frontière. Von Vett was not Duc avait toujours dit que il avait besoin d'un laisser-passer. Lui-même, le grand chef de S21 avait besoin d'un laisser-passer, y compris dans Phnom Penh. Alors, là aussi, reportez-vous à ce que dit Philippe Short à la page 430. Il fallait un fonctionnaire d'un ministère avait besoin d'une autorisation spéciale pour se rendre dans un autre ministère. Il fallait un laissez-passer spécial pour aller d'un quartier de la capitale à un autre. Il ajoute, les membres du comité permanent et Pol Pot lui-même devaient s'arrêter au poste de contrôle militaire. Had to go through the military un système de folie, de paranoïa. This was a system of paranoia, of si madness. Même les membres du comité permanent ont besoin d'un laissez-passer, que dire de Duc? Reprenez les déclarations chez les juges d'instruction. Please recall the declarations and Maître Kersavut a posé la question aux gardes de S21 qui sont venus témoigner ici. Leurs réponses sont troublantes, tellement elles nous renvoient toujours aux mêmes questions de hiérarchie. Réponse de Lakmin sur la question de Maître Kersavut. Nous n'avions pas la liberté de nous déplacer et nous devions faire très attention car tout écart pouvait nous coûter une sanction. Et donc, nous travaillions dur et nous vivions en état de peur et nous pensions qu'un jour on allait finir par être tués comme les autres détenus. Cependant, telle était notre mission. But this was our mission. À laquelle l'échelon supérieur nous avait affectés et par conséquent, nous devions nous conformer et nous en tenir à ces ordres. And obey to these orders. Qui oserait dire qu'il n'y avait pas à chaque étape un échelon supérieur qui donnait les ordres? Qui oserait le dire? Im Oi. Même si j'avais essayé de m'enfuir de said, S21, j'aurais été arrêté. J'en étais certain. Où est-ce que j'irais? Where would I have gone? Aller sur le territoire de l'ennemi? Move to the enemy j'aurais camp? Été arrêté à ce moment-là. I would have been arrested at that point. Et si on m'arrêtait? And had I been arrested? Ou bien si je m'enfuyais? Or had qu'est-ce I escaped? Qu'il adviendrait de ma famille et de mes proches? What would have happened to my family and my loved ones. Et vous retrouverez dans les réponses de l'accusé auprès des juges d'instruction identify in the si j'avais fui, si j'avais tenté de fuir, the
ma famille aurait été immédiatement décimée. Had I tried to escape, my family would have been annihilated. Qui d'entre nous peut dire ce qu'il aurait fait? Can say what we would have done. Vous savez très bien qu'à S21, quand une personne était arrêtée parce que considérée comme traître, on arrêtait aussi les membres de la famille. Et Duke le savait très bien. That person's family was also arrested. Duke knew this. Un autre point que je veux aborder de front, sans le fuir, c'est la question de l'enthousiasme et du zèle. Directly is the issue of enthusiasm and zealousness. Je rappelle with which Duke acted. Encore une fois, I will les statuts recall to mind, dont once again, Duke nous dit qu'il était obligé de les lire tous les jours. He was forced to read each and every single day. Et j'imagine que dans les séances d'autocritique, and on devait dire si on avait lu les statuts tous les jours. Self-criticism sessions that these statutes que dit l'article 5, under Article 5? Il faut posséder la notion et l'attitude de gestion du travail et avoir l'initiative de créativité autonome, as well as autonomous le dynamisme et l'intensification bouillonnante continuelle. And c'est-à-dire qu'il était demandé à chacun work methods, that de faire preuve de cet enthousiasme qu'aujourd'hui les coprocureurs veulent reprocher à Duke. Mais enfin, Madame et Messieurs de la Chambre, vous avez vu comme moi ces films de propagande où l'on voit tous ces gens au travail pour construire des barrages. Vous les avez vus pleurer ou vous les avez vus dans l'enthousiasme et dans les chansons? Et vous voudriez reprocher à Duke de faire ce qui était demandé à toute personne. And you are reproaching Doig for doing something that was demanded of everyone. Et Chandler, une fois encore, lors de sa déclaration, en fait, ce qui était encouragé, c'était de travailler dans ce sens avec le plus d'enthousiasme possible. To work with the highest degree of enthusiasm possible. Etchison encore. Etchison says, le 27 mai, page 96 des transcripts en français. Tout ceci étant dit, le PCK a établi comme priorité l'obéissance, la discipline, ainsi que la stricte mise en œuvre de la ligne du parti telle que définie par l'organe suprême du parti. Ainsi, j'avancerai que dans la plupart des endroits, la plupart du temps, les cadres faisaient de leur mieux pour mettre en œuvre la ligne du parti. Duke n'était pas autre chose qu'un de ces cadres qui faisait ce qu'il pouvait pour mettre en œuvre la ligne du parti. Rien n'autorise les procureurs à vous présenter comme ils l'ont fait hier, Duke, comme quelqu'un qui était autonome par rapport à sa hiérarchie, qui pouvait s'affranchir de sa hiérarchie, plus encore, qui pouvait s'affranchir de la ligne du parti. C'est d'ailleurs bien ça son problème, je le répète, c'est qu'il a été un parfait élève, un parfait disciple de la ligne du parti, mise au point par ses supérieurs. J'aime bien, monsieur le juge, la réponse qu'il vous a faite à propos d'M13 le 21 avril 2009. Et puis, vous a-t-il dit, quand je suis arrivé à Mlang, on m'a dit, le parti appelle ses enfants à remplir leurs devoirs. Là, c'est encore un jeune révolutionnaire. Il y croit encore. We're talking about a young revolutionary who still tu dois remplir ton devoir. You must fulfill your duty. Et il ajoute, and he c'était adds, un devoir.
Et c'est eux qui procédaient aux arrestations. Et ils étaient responsables aux yeux du parti. Et je ne devais pas m'inquiéter, m'a-t-on dit. Et j'ai répondu, je ne veux pas tuer des gens parce que les enfants des paysans sont des bonnes gens. Et on m'a dit que les gens suivraient les ordres qu'on leur donnerait. En gros, qu'est-ce que ces supérieurs disent aux jeunes révolutionnaires qui arrivent à M13? Il y aura quelques dégâts collatéraux dans la révolution, ça n'est pas grave. Tu vas en tuer quelques-uns, ce sont nos ennemis. Mais ce qui compte, c'est la révolution. Et François Bizot est témoin des souffrances intérieures, oui, de Duc, quand il se rend compte ce qu'au nom de cet idéal qu'il a épousé, ce qu'au nom de cet idéal, on lui demande de faire. Mais il y croit encore. Et je rappelle qu'à M13, où il n'a pas le centre du parti juste à côté de lui, à M13, il arrivera à faire libérer 7 personnes. C'est peu. It is very few. C'est peu. Indeed. Mais demandez aux enfants de ces 7 personnes. Demandez à Hélène Bizot si elle ne peut pas aujourd'hui avoir quelque part de la reconnaissance parce qu'elle a retrouvé son père. C'est peu. C'est trop peu. Mais c'est. It is far too few. Et je voudrais encore insister sur ce qu'ont demandé à ces cadres, à ceux qui avaient embrassé le régime. On vous a parlé, les experts vous en ont parlé, de cette déstructuration de la personnalité. Écoutez encore une fois Philippe Short. I ask you to hear l'objectif the words of Philip ultime était de détruire la personnalité. Was to destroy individuals. Ouvrez les guillemets, page 410 pour les interprètes. Ouvrez les guillemets, cette carapace quote, dure, agressive, tenace, shell, qui est par essence contre-révolutionnaire, comme l'expliqua un cadre Khmer Rouge. La méthode préférée était une frappe chirurgicale destinée à éliminer l'individu qui, par opposition au peuple, défini comme l'incarnation du bien, passait pour la cause de tous les maux imaginables. La personnalité était, ouvrez les guillemets, une propriété de la bourgeoisie, pour s'imposer sur les autres et écraser les masses. Avoir de la personnalité, c'est bomber le torse, porter la tête haute. C'est comme cela qu'on forme les impérialistes, des colons qui exploitent et massacrent d'autres peuples. Fermez les guillemets. Un Khmer Rouge, ajoute Short, devait s'efforcer de, ouvrez les guillemets, ne plus avoir de personnalité pour n'appartenir qu'à l'encart. Et donc, a suivi le modèle. Là aussi, je trouve sa déclaration du 28 avril tout à fait à l'image de l'homme que, pour ma part, je connais parce que je le rencontre depuis 2 ans et demi. Quand il vous a dit, donc, vous deviez, vous, en tant que personne, faire partie de la classe prolétarienne. Ne pensez pas à votre propre promotion. Ne vous préoccupez pas de votre propre personne en ignorant les difficultés des masses.
Quelle que soit votre classe, vous devez apprendre à faire partie de la classe prolétarienne. Voilà ce qu'il a appris. Voilà ce que lui a mis en œuvre. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter qu'on dise que cet homme pensait à sa promotion. Il était trop discipliné pour ça. Je ne peux que le croire quand il dit « Je ne voulais pas être chef de S21 ». Et d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes interrogé, messieurs les coprocureurs, s'il était l'homme que vous dites, 3 ans à S21 sans aucune promotion, un simple commandant, jamais promu à un rang supérieur? Comment vous expliquez ça? Si ce n'est parce que précisément ses supérieurs, ses maîtres avaient bien compris que cet homme était un obéissant servile et qu'il leur servait comme ça. Et lui avait bien compris que tout ce qui désobéissait à cette injonction du parti, c'est-à-dire que tout ce qui cherchait à monter, comme Nat par exemple, finissait de l'autre côté, à S21. Non. Doug n'a pas cherché à monter les échelons. Non. Doug n'a nullement cherché à faire partie des puissants de ce régime. Doug a cherché seulement à vivre. Un jour, quelqu'un a posé la question à un de mes compatriotes en 1799. Il s'appelait Monsieur Seyès. Et on lui a dit, qu'avez-vous fait, Monsieur Seyès, pendant ces 10 dernières années? Et il a répondu, j'ai survécu. I survived. Je crois que si on veut comprendre aujourd'hui Doug et juger, c'est avant tout comprendre. Judge him, and judging is above all understanding. Si on veut comprendre Doug, il faut intégrer tous ces éléments. We have to understand all of these elements. Les psychiatres nous ont dit, la désempathie, c'est l'incapacité à penser que l'autre est également différent de soi. Madame Sironi. Ceci arrive quand le sujet lui-même n'a pas ou n'a plus conscience d'avoir une identité propre, du fait, par exemple, de la fabrication par l'idéologie collectiviste, notamment à l'époque Khmer Rouge. La désempathie est présente chez Doug, qui a tué en lui toute identité personnelle au profit d'une identification avec une identité collective. Hier, le communisme, aujourd'hui, le christianisme. Mais en même temps, elle ajoute ceci, mais il est à noter que cette désempathie n'est pas absolue ou totale. Là aussi, nous avons constaté une évolution de cet aspect-là qui était très présent, notamment encore au début du rapport d'expertise. At the beginning of the expert report that we drafted. En ayant terminé avec ces considérations-là, finished with these considerations, je veux à ce stade now, de mes explications now at this moment in my explanation, aborder to bring up une réflexion. Vous livrez to share réflexion. With you a thought.
que j'ai déjà un peu abordé. Est-ce qu'il n'est pas facile, isn't it easy? Trop confortable, isn't it too comfortable, maybe even, de vouloir considérer Duke, wish to consider Duke comme un monstre, as a monster, un pervers, as someone who's qu'on va mettre à l'écart de la société, someone that we're going to alienate from society, définitivement, on a definite basis. Parce que réclamer 40 années de prison, c'est qu'on n'a même pas le courage de dire que c'est une sanction à vie. Parce que 40 ans de prison, quand on a 66 ans, ça veut dire une peine de prison à vie. Il faut appeler un chat un chat. Alors, est-ce que ça n'est pas un peu confortable? Je l'ai évoqué ce matin. Est-ce qu'on va, devant ce tribunal, s'arrêter toujours au même poncif? Il a commis des crimes. Il doit être condamné. Et la société ira beaucoup mieux. Et pire encore, et ça ne se reproduira plus. Eh bien, je vous dis, ça se reproduira tant qu'on n'aura pas abordé avec lucidité les phénomènes qui mènent un homme normal à devenir un jour un bourreau. Ce phénomène, c'est effectivement ce que Chandler a abordé avec courage. Ce crime, this crime d'obéissance. Of obedience. Un grand philosophe, a great philosopher du XVIe siècle, of the 16th century, Étienne de la Boétie, a écrit un petit ouvrage, a small work, Discours sur la servitude volontaire, déjà, au XVIe siècle, sur les tyrans. Et déjà, il nous disait, soyez résolus à ne servir plus, et vous voilà libre. Je souhaite, j'espère que dans votre décision, vous aborderez ces réflexions-là. Voyez-vous, je vous dois un éclaircissement. Il y a maintenant 35 ans que devant les tribunaux, je défends le thème de la désobéissance civile. Je défends des citoyennes et des citoyens qui volontairement désobéissent à des lois, toujours de manière non violente, pour obliger les lois à changer. C'est une pratique que vous connaissez très bien au Cambodge, puisque vous n'êtes pas très loin de l'Inde. C'est la pratique, pour ne pas dire la stratégie, mise au point par le Mahatma Gandhi. C'est la pratique si bien décrite par Hannah Arendt. Eh oui, elle n'a pas seulement écrit sur Eichmann. Elle s'est posé aussi les bonnes questions en disant, quand les situations sont bloquées, alors il faut que les citoyens se lèvent, se révoltent, mais de manière non violente et désobéissent aux lois. Alors, il faut apprendre à désobéir. Ah, c'est pas facile. Comment puis-je oser plaider dans un tribunal qu'il faut apprendre à désobéir? Eh bien, je le plaide depuis 35 ans. Et depuis 35 ans, quelle ironie du sort,
Je le plaide en m'inspirant de cette expérience de Milgram faite aux États-Unis. Et donc David Chandler est venu vous parler. 35 ans que j'ai entendu parler de cette expérience terrible, où on a pris des citoyens américains, comme vous, comme moi. On les a mis dans une pièce. On lui a dit, tu vois derrière la vitre, celui qui est là est en train de mentir. Il a des électrodes. Toi, tu as un bouton. Chaque fois que tu vas lui poser une question et qu'il va mentir, tu vas lui envoyer de l'électricité. Et tu auras à côté de toi un instructeur en blouse blanche qui va te dire, tu peux y aller. 60% des personnes, comme vous, comme moi, parce qu'ils ont obéi aux ordres de la personne en blouse blanche, ont appuyé jusqu'à la dose mortelle. Et de l'autre côté, c'était un acteur qui jouait le rôle. Terrifiante expérience. 35 ans que je dis devant mes juges en France, voilà messieurs les juges, il y a des fois où il faut savoir désobéir. Quand je le dis en France, je parle de notre ancien président de la République, le général de Gaulle, qui a désobéi, qui est parti en Angleterre, organisé la résistance et qui a été condamné à mort par les tribunaux français. Vous avez, ici, dans ce pays, un homme, aujourd'hui Premier ministre, qui a désobéi parce qu'il a su qu'il fallait désobéir à ce régime criminel des Khmer Rouges. Et pourtant, combien de temps faudra-t-il encore pour que cette nécessité de désobéissance passe dans les esprits? J'entendais le président Obama récemment. J'entendais, devrais-je dire, avec une immense tristesse, le président Obama parler des militaires américains qui avaient obéi aux ordres en Irak, aux ordres de torturer. Et le président Obama a dit, ceux qui accomplissaient leur tâche de bonne foi, suite au conseil juridique du département de la justice, ne feront pas l'objet d'enquêtes judiciaires. Qu'il est long le chemin, Madame, Messieurs, pour que pénètre dans les consciences le cri d'Antigone répondant à Créon. Je ne pensais pas que tes injonctions fussent assez puissantes pour permettre à un mortel de passer outre à d'autres lois, aux lois non écrites des dieux. Comme résonne en écho la voix d'Albert Einstein, ne faites rien contre votre conscience, même si l'État vous le demande. Et je repense à la parole de Vanat dans le merveilleux film de Ritipan, S21. Vanat qui demande au gardien, mais où aviez-vous mis votre conscience? Seulement voilà. Si on n'apprend pas à désobéir en démocratie, qu'est-ce qu'on fera dans une dictature? Seulement voilà,
Parler de désobéissance, ça nous renvoie tellement à nous-mêmes, à ce que nous vivons tous les jours. Comment fonctionne dans n'importe quel état démocratique toutes les armées, ou plus simplement toutes les administrations, et plus simplement toutes nos sociétés? À toutes les échelles, vous avez un chef qui reçoit des instructions et un chef qui donne à ses subordonnés des instructions. Vous le savez bien. J'ai même entendu dans cette salle d'audience des gens disant à la chambre, je ne peux pas vous répondre, je dois aller demander à mon supérieur. Oui. C'est comme ça qu'on fonctionne tous. Nous fonctionnons tous comme ça. J'espère que vous aborderez ces questions dans votre décision. Crime d'obéissance. Voyez-vous, le crime commis par Duke est selon moi avant tout un crime d'obéissance. Je devrais d'ailleurs dire plutôt un crime de soumission, mais ce serait un autre débat. Ça vous intéressera peut-être de savoir que obéissance vient du latin qui signifie écouter et adhérer personnellement. C'est-à-dire que l'obéissance normalement implique elle-même la possibilité de désobéir si je n'adhère pas. Mais le crime commis là est plutôt un crime de soumission. Eh oui. Yes, indeed. Et donc, après avoir été pendant 35 ans l'avocat de gens qui désobéissaient à la loi, j'ai donc été commis d'office pour quelqu'un qui avait obéi servilement. Mais c'est vrai que l'autre question que cela nous pose forcément quand on aborde ces rives, c'est celle qui a été abordée par David Chandler. Je ne me suis jamais trouvé dans une telle situation, mais qu'aurais-je fait? Et je sais que vous vous poserez forcément la question. Invariably must ask yourself that même question. Craig Hutchison, even Craig Hutchison a essayé d'éviter la réponse. Had tried to evade an answer, mais il a bien dû reconnaître que ce n'était pas simple, sous-entendant qu'on a toujours le droit et le choix de mourir. Always had the choice to die. Souvenez-vous, David Chandler, après nous avoir entraînés dans cette réflexion, cite cette phrase de Zygmunt Bauman, Zygmunt, Z-Y-G-M-U-N-T pour les interprètes, Bauman, B-A-U-M-A-N. L'information la plus effrayante tirée de l'Holocauste et de ce que nous avons appris de ses auteurs n'était pas la probabilité que cela pouvait nous être fait, mais l'idée que nous puissions le faire, que nous puissions le faire. C'est toute la thèse de Bizot. J'ai vu l'homme derrière le bourreau. Et cette dernière phrase du livre de Chandler qui me paraissait pour ma part être le point central de notre procès. Et c'est ce point-là auquel j'aurais voulu que, en concertation avec les procureurs, l'on travaille pour le bien de ce pays et au-delà. C'est ce point-là pour trouver, dit Chandler, la source du mal mis en œuvre chaque jour à S21. Of evil that was nous implemented ne devons each and every finalement day, S21, pas regarder plus loin que nous-mêmes.
didn't have to look any further than ourselves. Terrifiant. This is terrifying. Mais on est si loin de l'image facile du bouc émissaire que je vais renvoyer dans le désert pour me sauver moi. A scapegoat. Après ces réflexions, mais après tout, on peut faire un peu de philosophie du droit dans une enceinte de justice. Such thoughts, one could be permitted je voudrais to philosophize on legal precepts. Faire juste quelques réflexions sur le droit, sachant que share a few thoughts notre court mémoire de 16 pages que tout le monde a pu apprécier short final submission, vous renvoie à d'autres mémoires que nous avions déjà déposées long, et nous n'avons pas estimé nécessaire du côté de la défense d'alourdir encore et encore les débats en répétant toujours les mêmes choses. Vous vous reporterez donc à notre mémoire pour ce qui est de l'entreprise criminelle conjointe. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Je veux juste encore dire une chose. Je n'imagine pas un seul instant que votre chambre puisse décider que Duc a commis ces actes dans le cadre d'une entreprise criminelle conjointe avec des personnes que vous avez entendues ici comme témoins et à qui vous n'avez pas donné la possibilité de se défendre, je dis bien de se défendre de ce chef. Je n'ai, je pense que vous l'avez compris, aucune sympathie I have absolutely pour ceux no qui continuent aujourd'hui à nier les crimes d'hier, comme M. Mamnai, the crimes that happened, mais like auxiliaires Mamnai. De justice, je ne peux pas accepter que quelqu'un retrouve son nom dans un jugement en disant « Monsieur, vous avez fait partie d'une entreprise criminelle conjointe et vous n'avez pas eu la possibilité de vous en défendre. » C'est impossible. Et je rappelle d'ailleurs qu'un texte prévoyait que si c'était le cas, il appartenait au bureau des coprocureurs de demander un huis clos pour que ces personnes puissent se défendre à huis clos des accusations dont elles étaient l'objet. Vous ne l'avez pas fait. La Chambre rejettera évidemment cette notion d'entreprise criminelle conjointe, même si elle est chère à notre président du tribunal du Liban, qui en a été le promoteur devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, en l'espèce, pour le dossier numéro 1, vous la rejetterez. Je voudrais attirer votre attention sur la décision de la Chambre préliminaire du 5 décembre 2009, et je l'ai indiqué dans mon mémoire, qui a dit que Duc ne pouvait pas être poursuivi pour avoir lui-même commis les crimes de torture. Je suis extrêmement surpris que hier encore, le bureau des coprocureurs vous ait demandé la condamnation de Duc pour un crime pour lequel il n'est pas poursuivi. Il est poursuivi pour avoir incité, il est poursuivi pour avoir ordonné, mais la Chambre préliminaire a dit qu'il n'est pas poursuivi pour, au titre de la commission. Et puis, dernier point de droit que je veux évoquer avec vous, qui me préoccupe, c'est avant tout un problème de traduction, mais qui en dit long, à propos de la règle 87 du règlement intérieur. Le premier paragraphe de la règle 87 se lit ainsi dans la version française. Et je demande aux interprètes de le traduire littéralement, s'il vous plaît. Pour condamner l'accusé,
La Chambre doit avoir l'intime conviction de sa culpabilité. Convinced of the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Dans la version anglaise, il est indiqué que pour condamner l'accusé, sa culpabilité doit avoir été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Beyond all reasonable doubt. C'est une mauvaise traduction. This is a very poor translation. Ce sont deux systèmes de droit absolument différents. That are completely different. Même si, à la fin du jour, even if in the final j'imagine analysis, qu'un juge de common law va apprécier le au-delà de tout doute raisonnable selon son intime conviction. Mais that beyond reasonable doubt, les systèmes de preuves ne sont pas les mêmes. However, et je vous ai entendu, mes collègues du bureau du procureur, parler sans arrêt « Je dois prouver au-delà de tout doute raisonnable », je vous réponds « Non ». Ce n'est pas le texte. C'est une mauvaise traduction you, du français à l'anglais. This is a poor tandis que, dans le code de procédure pénale cambodgien, and I will remind l'article 321, Cambodian Penal Code, article 301, deuxième paragraphe, dit ceci, le tribunal apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises en fonction de son intime conviction. Et là, par contre, la version anglaise est correctement traduite following the judge's intimate conviction. Because it speaks ce qui of a été correctement conviction. Traduit dans le this code de procédure pénale cambodgien est mal traduit dans le règlement intérieur. Criminal code et and cela procedure. Aura forcément des conséquences this pour vous will, quant à l'analyse de la preuve. Invariably je rappelle have consequences for you qu'il est indiqué, when you je crois que c'est judgment. À l'article 88 du règlement intérieur que l'aveu est un des moyens de preuve. Et donc, l'aveu, les aveux de l'accusé, vous les examinerez, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, selon votre intime conviction. Alors, Monsieur le juge Lavergne, je vais lire un passage que vous connaissez très bien. Dans le code de procédure pénale française, vous m'excuserez cette référence à mon droit national. Mais c'est un texte tout à fait étrange dans un manuel de droit qui élève le droit au niveau du spirituel. Et je l'aime beaucoup. C'est l'article 353 du Code de procédure pénale français qui dit ceci. Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est en outre affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la Chambre des délibérations. In the Chamber of Deliberations. Open quotation. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. For the means by which elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. To put sufficient elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes it is incumbent upon them dans le silence et le recueillement in their et de chercher dans la sincérité de leur conscience in all quelle impression ont faite sur leur raison les preuves
rapportée contre l'accusé et les moyens de sa défense. That was put before them. La loi and the means to defend them. Ne leur fait que cette seule question qui this renferme toute la mesure matter de leur devoir. Avez-vous fully accounts une for their duty intime conviction? Do you have the intimate conviction? Il me reste deux points. Monsieur le Président, j'aurais peut-être à vous demander to une toute petite prolongation. I would ask for a very brief extension. Il me reste deux points. I only have two quelques éléments sur la personnalité de Duc. Et puis, bien entendu, The President, you may proceed. Le Président, nous faisons droit à votre demande. Allez-y, poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. President. Sur la personnalité de Duc, nous With avons déjà dit beaucoup Duc's de choses. Much has already been said. Je voudrais vous renvoyer, I would moi like aussi, to au livre de François Bizot. Now refer you to mais the sur book d'autres of citations François que Bizot, celles qui vous ont été présentées par like la partie adverse. You to excerpts that were not parti la fleur au fusil, dit Bizot, et le cœur gorgé d'espoir. Setting off with a flower in his rifle, il s'était plongé dans un monde primitif with hope, rempli d'épouvante. Into a et tel l'enfant s'aventurant au milieu des loups, with horror, dont il avait dû, pour survivre, laisser l'instinct remonter en lui. He was a child dès ce moment, wolves, to survive, la terreur he avait to été toute puissante. And learned to howl like them, elle avait pris and let instinct take over. Pour l'attirer terror from le visage de l'ordre became all powerful et de la morale. It seduced him by putting on the face of morality and order. Nous avons souhaité vous faire entendre un certain nombre de témoins. Je n'y reviens pas. Vous les avez We've tous en mémoire. To tous ces témoins qui sont venus vous dire testimonies given by qu'avant le Kampuchea démocratique, Duc était un homme humble, simple, Duc was a humble man, généreux, a simple man, respectueux, a generous man, a respectful honnête, man. He was an honest man. Calme, he was a calm doux, man. He was gentil, a sweet man. Les he mots was a nice que man. J'ai extraits de leur déposition. Words that can be found in their testimony. Ensuite, dans les années 90 qui ont suivi, nous avons entendu les mêmes choses. We heard the same thing. Et je vous renvoie au livre de and Nick Dunlop, refer you to Nick Dunlop's à la page 256 de la version anglaise. On page 256. Selon un membre du personnel de l'ARC, Duc a joué un rôle clé en empêchant une épidémie de typhoïde de se répandre dans le camp, sauvant par là un nombre indénombrable de vies. Quel destin! Quel destin! And in no, le bourreau, numbers of lives, comme on l'appelle, de S21, qui quelques années plus tard sauve who, a few years un later, nombre a few years indénombrable prior to that, de vies. Saved countless lives. Je voudrais insister avec les experts psychiatres sur le chemin dans lequel est engagé on l'accusé. The journey on which the accused ils vous disent, nous pensons qu'il y a une réelle question de la part de l'accusé. Il y a une reconnaissance. There's mais il y a aussi le fait de se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer.
Et la question de la réparation est chez lui une question. Et nous avons conclu avec mon collègue que ce n'est pas une question de circonstance. Ce n'est pas une question stratégique. C'est une question réelle. This is a real question. J'ai interrogé, comme vous, Madame Sironi, sur ce processus de reconnaissance. Et elle dit, il peut y avoir dans un premier temps un déni, une volonté de non-reconnaissance. Je parle bien de mécanismes psychologiques. Mais je veux surtout insister sur le fait qu'il bascule tout de suite dans l'auto-accusation. Et elle le cite, je suis un criminel, je me sens coupable, comment faire ? J'ai posé la question à Madame Sironi, mais est-ce qu'il n'est pas difficile de reconnaître ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que peut-être il refuse de reconnaître ? Et elle nous dit, mais bien sûr, tout ça est un processus. J'ajoute même à l'attention, à votre attention à vous, mais peut-être plus encore à l'attention des victimes, que c'est là quelque chose de parfaitement repéré en psychiatrie, que l'on appelle les troubles de test, les troubles de stress post-traumatique, particulièrement fréquent chez les soldats ayant vécu des situations de guerre. Et l'on dit ceci, l'évitement de la réalité donc, l'évitement est un des symptômes. L'individu tente d'éviter les situations et les facteurs déclencheurs qui pourraient lui rappeler l'événement traumatisant. Il aura tendance à éviter d'en parler pour éviter d'y être confronté directement. Cela peut conduire jusqu'à une amnésie partielle ou totale de l'événement. Un autre aspect de l'évitement est l'émoussement des émotions qui peut aller jusqu'à une insensibilité émotive. Je voudrais, vous n'êtes pas obligé de me croire, les parties civiles, mais je voudrais dire que je suis pour ma part convaincu que si Duke a dit l'essentiel, il y a encore des choses qu'il ne nous a pas dites et qui, pour certaines d'entre vous, sont essentielles et je l'entends parfaitement. Il a dit l'essentiel sur l'ensemble des crimes, mais il reste des questions. Maître Studzinski a essayé d'en savoir plus. Nous n'y sommes pas parvenus. Est-ce que nous sommes dans un processus d'évitement ? Je l'imagine. Vous avez vu les émotions que cela a déclenchées, tant chez Mamnai que chez l'accusé, quand on parle du professeur Bouton. Qu'est-ce qui se joue ? Je n'en sais pas plus que vous. Je constate. Alors oui, il y a sans aucun doute encore des zones d'ombre, tout à fait. Quand je dis l'essentiel a été reconnu, c'est-à-dire là, son crime, ses crimes sont reconnus. Mais oui, il y a peut-être encore des choses qui sont difficiles à admettre. C'est là le chemin. Les experts vous disent, nous avons cherché à savoir s'il y avait manipulation de la part de Duke, et nous pouvons répondre que non. À aucun moment, nous n'avons eu l'impression, même pour l'étayer, qu'il y ait eu manipulation de sa part.
Alors la peine. So, now the sentence. La peine se déterminera sur la base de tout ce que vous aurez entendu. Se déterminera sur la base des circonstances atténuantes, l'ordre des supérieurs, nous le savons, n'est aucunement une cause d'exonération de culpabilité, mais depuis Nuremberg, depuis ce qui est inscrit dans les textes de nos juridictions pénales internationales, l'obéissance à l'ordre des supérieurs est incontestablement une circonstance atténuante. Qui peut encore nier que dans la hiérarchie du Kampuchea démocratique, Duc a été dans cette chaîne de commandement, ce qui lui a fait dire « J'étais à la fois le serviteur et l'otage de ce régime et j'assume mes propres responsabilités. » C'est une circonstance atténuante. L'autre circonstance atténuante que vous retiendrez, c'est bien entendu les remords exprimés. Vous les avez entendus, je les ai rappelés, je n'ai pas besoin d'y revenir. La coopération. Yes. Savez-vous, do you know, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, President, Honor, qu'à l'heure où nous parlons, continue sa coopération avec les bureaux des coprocureurs dans le cadre du dossier numéro 2. Savez-vous qu'il y a encore 15 jours, nous étions ensemble chez les co-juges d'instruction, qu'il a continué à coopérer, qu'il a répondu à toutes les questions et des juges et des procureurs. Savez-vous que la semaine prochaine, il y sera encore? Je regrette que n'ait pas été mis plus en avant par le bureau des coprocureurs cette coopération tellement utile, comme on l'a entendu ce matin dans Obrenovic, tellement utile pour la justice. L'amendement. Nous avons demandé aux experts s'il était réinsérable. Vous vous souviendrez qu'ils ont dit Duc est réinsérable. Alors, quel est l'objectif de la peine? Punir les crimes commis. Bien entendu. Mais, sauf erreur, depuis bien longtemps, les juristes du monde entier ont décidé que la peine a aussi pour vocation la réinsertion. Est-ce que, dans le cadre d'un crime contre l'humanité, la réinsertion serait bannie? Would rehabilitation be something that is banished? Je me souviens de Madame Lefebvre, Mrs. Lefebvre, qui est venue dire sa souffrance, came to express her suffering here, sa douleur. And her pain. Elle a émis and she une suggestion presented a suggestion intéressante. An interesting, she made an interesting suggestion. Je verrai très bien. And she said, I can very well. Il est dit dans le transcript le cas numéro 1. Parlons de Duc, bien entendu. Je verrai très bien Duc travailler comme cantonnier sur les sites de Chung Egg et S21 afin que ce soit des endroits dignes. J'ai vu des papiers, des canettes. Je trouve que ça n'est pas propre
J'attends également du tribunal un impact pédagogique sur la jeune génération, afin que cette jeune génération intègre bien que ce sont des Khmers qui ont tué d'autres Khmers et qu'il n'y a pas de place pour le négationnisme. Oui, Madame Lefebvre. Quelle belle idée. J'ajouterai que plutôt que de faire de Duc un cantonnier, moi je le verrai bien. Oui, je le verrai bien à Chungheak, en train d'expliquer aux jeunes générations ce qu'il ne faut pas faire, en train d'expliquer aux jeunes générations que oui, on peut prendre une décision un jour et qu'on a toute sa vie pour le regretter. You might have the rest of your life to regret this decision. Je l'ai dit, and I said it ce matin, this morning, nous ne sommes plus tout à fait, depuis hier soir, dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité. Nous sommes plutôt dans le cadre de la jurisprudence Albert Speer. Albert Speer, ancien ministre de la Défense, bien plus hautement positionné que Duc, bien plus hautement positionné que Duc, ancien ministre de la Défense d'Hitler, n'a pas plaidé coupable à Nuremberg, mais il a reconnu sa responsabilité. Il n'a pas plaidé coupable, mais il a dit « je suis responsable ». C'était la raison pour laquelle nous avions demandé à l'ancien procureur, M. Henry King, que je suis allé rencontrer dans son bureau. Nous lui avons demandé de venir témoigner ici de la jurisprudence Albert Speer. La mort nous l'a arraché avant. Il disait dans la lettre qu'il nous avait adressée, je pense que la reconnaissance de culpabilité d'Albert Speer a joué un rôle dans la détermination de sa peine, qui a été une peine de prison et non la pendaison. Mais je ne peux produire aucun document étayant cette opinion. À l'époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles le procureur en chef américain Robert Jackson, attaché de la valeur à la reconnaissance de culpabilité d'Albert Speer, et j'ai moi-même entendu dire qu'il estimait qu'Albert Speer était le meilleur de mauvais lot. Albert Speer a été condamné à 20 années de prison. Obrenovitch a été condamné à 17 ans de prison. Nous ne sommes pas dans des crimes de droit commun. Nous ne sommes pas dans des crimes où l'accusé commet des crimes de série pour son intérêt propre. Nous ne sommes pas dans ces questions. Alors, est-ce que Duc peut encore être utile pour l'humanité? C'est ça la question que vous vous poserez. Nous considérons ici au banc de la Défense que non seulement Duc a fait 10 ans de prison, déjà, mais que, comme l'a rappelé le procureur, il a également été fugitif pendant 20 ans. Pendant 20 ans, entre 79 et 99. Ça fait 30 ans déjà que cet homme n'est pas un homme libre. Et encore, bien plus si on rajoute les années d'avant le crime et les années des crimes. Mais je m'en tiens, si j'ose dire, à l'après-crime, 30 ans que cet homme n'est pas un homme libre. Tenez en compte. Comment tiendrait compte des juges d'application des peines, mais qui n'existent pas au Cambodge? Monsieur le Président, il me reste 10 minutes. Si je peux terminer avant la pause, je souhaiterais, si vous m'autorisez. I would please ask you for leave to do this.
The President, you may proceed, please. Allez-y, poursuivez. Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'arrive donc au terme de mes explications. Je discutais l'autre jour avec un Cambodgien qui me disait, chez nous les bouddhistes, nous disons que le mal que tu fais, tu le reçois en retour. Il me disait, Duc a déjà payé le mal qu'il a fait. Renvoyez-le chez lui. C'est ça que j'ai entendu. Il a payé le mal qu'il a fait. Renvoyez-le chez lui. Nous arrivons au terme de ces plaidoiries. C'est toujours un moment difficile pour l'avocat. C'est le moment où l'avocat va se taire. Le moment où il se demande, ai-je bien tout dit? Ai-je fait assez? Notre parole d'avocat s'arrête à la porte de votre salle de délibération. At the door to the deliberation room. Et vous n'aurez plus pour vous guider que ce texte. We wonder quelle impression ont fait sur vous, juge, our case les moyens de défense de l'accusé. On the judges. Alors, quelques mots therefore, encore pour terminer. Permit me to speak a few more words as a last message dans for you. Le roman de Somanos Sar, L'ombre d'un doute. In the novel by Somanos Sar, j'ai extrait cette phrase de Nora à sa cousine Karen. Elle lui dit, grâce à toi, une part de Sofana continue à vivre en toi. En nous. Et jusqu'à notre dernier souffle, elle sera là dans nos plus beaux souvenirs. Aucune cruauté ne saurait les anéantir. Puis, un autre livre que je voudrais feuilleté avec vous. This is another book tellement pour moi, that I wish il est l'épilogue de ce procès. And for me, it Cambodge, the les clés d'un royaume, introduction, d'un Français marié à une Cambodgienne, to this trial. Père d'enfants cambodgiens. The keys to the kingdom. On y voit, à travers de merveilleuses images, through these extraordinary un Cambodge images, magnifique. We aussi un Cambodge blessé country, par une période noire country, ou plutôt rouge, rouge sang. Was wounded by a dark period, mais un Cambodge qui ne se résume pas period, à cette horrible tragédie. On y voit but un Cambodge qui retrouve ses merveilleuses couleurs, ses merveilleux sourires, ses danses period légendaires. This un pays où la vie also regains its marvelous colors, a le dernier mot. Its smiles and its legendary dancing. Je souhaite a country where life has the que last ce soit word la conclusion de ce tribunal quand il en aura fini avec ses procès. I would like this to be the je souhaite que, comme dans ce livre, le Cambodge ne soit pas réduit, enfermé dans cette sinistre période. Personne n'oubliera. No one la mémoire forget restera vivante. Memory will stay alive. Mais, however, comme le dit Monsieur le Vice-président du Tribunal du Liban, pour as vous, comme le dit said le poète libanais Khalil of, Gibran, the Lebanon Tribunal, and as said by vos the enfants Lebanese poets, Khalil Gibran, ne sont pas vos enfants. And I quote, your ils sont les fils et les filles children de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. You, vous pouvez leur donner votre amour,
mais non point vos pensées. Vous pouvez essayer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car leurs âmes habitent la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves, car la vie ne va pas en arrière ni ne s'attarde avec hier. Encore deux mots avant que nous remettions Duc entre vos mains. C'est une histoire, une histoire comme les Cambodgiens en racontent, mais une histoire universelle. C'est l'histoire d'un sage. Il peut être un imam, il peut être un rabbin, un philosophe, un moine bouddhiste, que sais-je. Il enseigne à ses disciples. Et il leur demande, comment voit-on que l'on passe de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière? Alors un disciple, quand on commence à distinguer la couleur des feuilles du tamarinier, quand on commence à apercevoir dans le lointain les monts des Cardamones. Another one says, non. When you begin to see the cardamoms in the distance. Quand? No. Dans le regard de l'autre. And yet another one tu says, peux reconnaître ton when you frère. Can recognize your brother in another's eyes. Donc, toutes vos victimes Duk, étaient vos frères et sœurs en humanité. Were your brothers and sisters in humanity. Vous avez dit que vous avez you été lâche et que vous n'avez pas osé aller les voir en détention. And that you did not go to see them while they were in detention. À vue humaine, vous ne serez in jamais human absous eyes, pour ces crimes. You will never be absolved of these et leur crimes. Regard, and the eyes celui que vous n'avez pas voulu croiser, of those vous regardera you did not toujours. Wish to meet, will remain mais nous, on you mais nous, forever. Mesdames et messieurs les juges, but what about us, your honors? Est-ce que nous sommes prêts à regarder Duc dans les yeux et à reconnaître en lui notre frère en humanité? For the fellow human that he is. Et la question finale and the final qui vous question. Est posée, est-ce que par votre décision, through your vous ruling, ramènerez Duc will you dans l'humanité. Bring back Duc into the fold of humanity. Un dernier mot. One last word. Un dernier mot. One Duc final est mort. Word. Duc is dead. Aujourd'hui, il s'appelle Geng Gek-yu. His name is Geng Gek-yu. Il n'est plus le Duc révolutionnaire. He is no longer the Duke of the Revolution. Je vous remercie. Thank you, Your Honors. The President, since it is now an appropriate time to take the adjournment, then we will take the adjournment for 20 minutes. The session will be resumed by 10 past 3. À 15h10, la greffière, mesdames et messieurs, veuillez vous lever.